C'est un autre sujet de télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour, bonsoir tout le monde sur la terre. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui 8 novembre 2018 là, pour nous capables présenter toutes les informations. Déjà, nous souhaitons passer une très bonne journée sur la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité. Il y a 184 Haïtiens qui vivent au Chili rentrés dans le pays d'Haïti mercredi 7 novembre là. Dans le programme plan humanitaire retour volontaire gouvernement chilien mettait sous pied dans la date 17 octobre passé. Responsable groupe cap appuyé rapatrié et réfugié au Gard a attiré attention autorité l'État pour capable renforcer l'Office national migration pour permettre aux compatriotes de joindre un bon traitement. Yon accord signé mardi 6 novembre entre ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural et représentant plusieurs organisations dans le secteur agricole. Dans le cadre accord signé, l'État haïtien pral financer 20 projets agricoles dans le département SIDA, pays d'Haïti. Yon journée étude sur sociologie miracle organisée ailleurs mercredi dans local la faculté de médecine et pharmacie dans Port-au-Prince. Plusieurs professionnels qui prennent la parole dans l'occasion pour permettre aux participants de comprendre plus bien qui ça miracle est exactement. Et puis à l'étranger, pour Pipiti, 11 personnes perdu la vie, plusieurs autres sortis blessés dans une fusillade qui fait à soir dans un club disco dans l'État de Californie, dans le pays États-Unis. C'est grand point ça que Claude Nabgué pour capable de développer pour le journal aujourd'hui. Cependant, la petite pause pas déplacer, n'a pas tenu à l'heure. Merci pour fidélité à 14 soir que disons nouvelle c'est là. Nous retournons pour nous capaporter tout élément d'information pour vous. Et je nous te dis dans grand titre, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, dans représentant plusieurs organisations dans le secteur agricole, signé mardi 6 novembre 2018, là, un accord pour capable financer 20 projets dans le département sud du pays d'Haïti. À quoi ça rentre dans le cadre d'un plan national d'investissement agricole qui vise à relancer la production nationale à travers tout le pays. Rachel Saint-Paul et André Chéri a présenté notre compte rendu. 118 millions de gouttes, c'est quantité d'argent pour projet Sayo a coûté l'État haïtien, d'après le directeur départemental agricole Sidla Mancelin Aubourg. Responsable a expliqué l'organisation bénéficiaire sélectionnée à partir d'une compétition qui était faite à travers le projet service public agricole réciproque qui visait par de l'argent à technique à diverses organisations qui ont produit dans le secteur agricole. Là. Le premier groupe de critères qui était appliqué pour sélection, organisation eux-mêmes, pour être éligible, et puis une deuxième série de critères qui était définie, qui était appliqué pour projet que OPRIO présentait. Et tout travail ça, c'est à travers la concertation agricole départementale là qu'elle fait. C'est d'ailleurs qu'ils sont partis dans le financement que le bail, environ 70%, et reste 30%, c'est OPRIO là qui a porté contribution par. Bois de l'agence a permis à l'organisation de construire ou soit réparer atelier que vous avez gagné déjà. Nous connaissons gagné qui a fonctionné, mais conditions que vous avez fonctionné, yo pas digne d'une organisation qui devait lancer effectivement dans la commercialisation ou bien la production. Conscient de l'état ça, conscient de faiblesse que l'organisation ça a été fait face à yo, le ministère de l'Agriculture a choisi pour lui aidez-nous à avancer. Financement, ça la permettre à environ 1239 membres organisation. En dans 1239 membres, c'est peut-être 61% là-dedans, c'est femmes. Femmes bénéficiaires qui ont bénéficié du projet directement. Et quantité bénéficiaire directement, le projet à lui-même pour aller accompagner, c'est peut-être 36 000 membres qui se plantaient, qui ont vendu produits de côté. Vous voyez qu'il y a travail dans le jardin, vous voyez qu'il y a travail dans l'atelier de transformation, machin qui parle pour produire, pour commercialiser et l'atelier. Activité qu'il a réalisé, de tomber d'aplomb à Gifford, président de la République, là, premier ministre, là, a fini sa agriculture à faire pour qu'il y ait plus manger dans le pays. Là. Et puis, faire plus d'argent rentrer dans le prochain acteur, surtout, le monde qui a planté.
Bénéficier engagé pour respecter tout principe pour entreprise marcher bien pour t'offrir un avantage population. Je remercie tout acteur qui t'a supporté et puis accompagné. Signati, ce projet ça yo a permettre nous joindre bourrade de l'argent pour mettre sous pied et puis renforcer différentes entreprises dans plusieurs communes dans le département sud là. Nous mêmes femmes représentant OPR dans communauté, dans comité gestion à comité directeur, nous prenons engagement pour nous respecter tout principe pour faire entreprise bien marcher et puis porter fruit pour bénéficiaires. D'après l'initiateur, les bénéficiaires travaillent dans plusieurs filières dans le respect des normes nutritionnelles et puis ils prennent en compte la participation des femmes et garçons. Merci Rachel Saint-Fort. Mairie Pétionville a annoncé hier mercredi 7 novembre une opération nettoyage pendant 3 jours qui a commencé demain 9 novembre pour bout 11 ans qui a venu là. Dans l'occasion, magistrat principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch, profite expliquer quelques mairies la dirigée apprend pour protéger l'environnement à la vie. Population. En nous suivant, extrait dans la déclaration d'Amico Elisea Kolo à KVPA. Nous lançons la question de Pétionville propre là. C'est un gros mouvement qui pourrait permettre que, c'est vrai que nous passons par Patrick Amounio, mais il y a des battants qui ont été pour friseur, pour frigidaire et vieux fous qui ont été gagnés, qui n'ont pas de jambes qui ont débarrassé de eux. Donc nous profitons de l'occasion ça pour nous tout prendre. Mais il pourrait continuer. Et là, nous travaillons sur un projet, dans la fin d'année, pour nous faire un quartier plus belle, en façon pour nous faire un concours de quartier, pour nous stimuler tout le monde, pour nous capables de continuer à faire propreté. Il y a diverses mesures que nous allons prendre. Nous avons arrêté communal qui sont prêts là, mais on connaît le chemin pour faire, pour nous écrire, pour nous voir la présidence, pour nous voir le ministère de justice. Donc, nous avons fait tout le chemin, ça, de son façon. Et nous déraper là pour nous éradiquer la question Fatra, pour nous finir avec une fois pour toutes, surtout au niveau commune de Pétionville. Machin, effectivement, c'est gros producteur de Fatra. Et on rend compte que question Pétionville, question Fatra, en deux fois, nous décrétons la rue blanche. Mais malheureusement, nous n'avons pas de support nécessaire pour permettre de Kembe. Fois ça, nous prenons pour nous lancer en troisième fois, et laisser ça, c'est la dernière fois. Donc, nous travaillons là sur construction marché Koukoyen pour nous avoir plus d'espace pour que nous capables de prendre plus de machin. Donc là, on a pourtant notre titan toujours avant que nous retirions machin dans la rue. Mais on a été préoccupation première, nous-mêmes au niveau conseil là, parce que c'est une bagaille que nous avons pour mettre lors de campagne. Nous. Et il faut que nous retirions machin dans la rue, parce que ce n'est pas aucune ville au monde qui est capable. Qui est capable de fonctionner pour que pas de trop droit pour élèves passer, pour que la circulation machine soit capable de faire correctement. Nous faisons un peu l'effort dans le cadre de lever Fatra. Nous lever, nous mettez, nous lever, nous mettez. Donc, nous travaillons sur tout pour nous être capables de déplacer des dépôts sages de l'autre côté pour nous servir des dépôts, pour éliminer des dépôts qui sont dans l'ancien cimetière. Nous avons quitté Pétionville, nous prenons les Cafokounia, puisque gagné magistrat Cafouan Jude Edouard Pierre, qui bat explication sur 10 faits qui étaient éclatés dans le système informatique Myria pendant le week-end sorti 20 pour arriver 22 octobre passé. Magistrat principal Cafouan Jude Edouard Pierre fait connaître à gagné mes criminels qui cachaient derrière action Sila. Dans ce sens-là, demander aux autorités policières et judiciaires pour capable garantir la sécurité personnelle et locale mairie. Jude Edouard Pierre, a bay plus explication à Miko Lunel Jean-Louis et Jean-Aël Duvernay. Depuis le 2 octobre, des incendies que vous mettez dans le département informatique mairie qui provoquaient un dysfonctionnement de l'administration et que nous t'ai fait la police t'est venu là, nous t'ai fait tribunal de paix t'est venu là, la police scientifique t'est venu là, l'espèce t'est venu là, t'ai évalué la situation, et que je dis à, et nous en position par rapport à l'information, et qui concordait pour montrer que c'est un criminel qui t'a derrière incendie ça. Et mais il y a des fonctionnaires, ils sont peut-être de plus de 60 000 dollars américains, un système informatique qui était là depuis 2011-2012 avec magistrat Yvon Jérôme, grâce à un support USAID, local et local plus, malheureusement, le système ça, je dis, il parle encore, nous, encore une fois, fait des pertes de biens publics, j'ai mon nom, mettre du feu tout côté, et mettre du feu dans le département informatique, mais RIA. Son acte, qui politiquement motivé, parce que c'est des informations qui ont circulé dans toute la rue, que, eh bien, il a ciblé bien mes RIA, il a ciblé bâtiment administratif, et information ça,
et nous avons partagé avec la police depuis environ 7 mois, 8 mois de cet attentat et menace qui a fait sur sur tous les réseaux sociaux. Il y a des clairement identifié qui a fait menace sur VIM comme magistrat dans la ville là et il a commencé à attaquer, je dis, à bien l'État et bien mairie. Et parallèlement, dans la même soirée, ça, Samedi était comme affiche qui annonçait projet mairie à faire sur route des rails, fermeture site là, et projet aménagement route des rails, projet caniveau n'a fait avec le président de cabinet Assad pour nos carrefours. Et bien, tout affiche ça, il a crasé tout. Donc, c'est des actes de sabotage et que nous demandons la police pour plus vigilant. Il y a un peu de menace encore une fois, c'est qui pendait sous tête. Mais il y a parce que depuis deux ou trois jours là, sur tout le réseau, et mes tracts a circulé pour que les gens ont menacé pour venir mettre du feu dans le bâtiment, dans le reste du bâtiment. Mais il y a. Moi, dit à la police, à la justice, qu'il y a une responsabilité pour garantir la sécurité de Mélia avec nous comme magistrats. Donc, la police doit être vigilante. J'ai commencé à faire là pour continuer encore plus vigilante parce que menace à eux. Eh bien, nous, généralement, après un temps, nous passons à l'action. Nous avons annoncé l'étonnant grand titio dans le cadre du programme plan humanitaire retour volontaire. Le gouvernement chilien mettait sous pied dans la date 17 octobre passé. Il y a 184 compatriotes haïtiens qui vivent dans le pays Chili qui retournaient par ici hier mercredi 7 novembre, d'après responsable Gario. Groupe Cap Apié rapatrié et réfugié au Gard attiré attention autorité l'État yo pour capable renforcer Office National Migration pour capable permettre aux compatriotes de bénéficier plus bon traitement. Responsable assistant responsable communication à plaidoyer Nagala Josué Michel a expliqué ces 1084 haïtiens qui fait partie programme plan humanitaire SILAM qui gagne pour retourner selon volonté payo par bon site. En nous suivant extrait dans Nico 7 quoi pas qui avec Henri Robert Chéri. Reconstruction de 176 ressortissants haïtiens, c'est des migrants qui vivent dans plusieurs communes, à la ville de la pays Chili, parmi les stations centrales, Quilicula, Independencia, à Santiago. Donc c'est dans différentes villes de Zayo. Migrants qui vivent. C'est des migrants qui décident de retourner à la CAIO. Parce que ils vivent dans la précarité, ils ne peuvent pas de travail, ils ne connaissent que dans les conditions qui étaient pays. En plus, là, ils ont pensé que Chili, c'est Eldorado, malheureusement, leur arrivée est au-dessus. Donc, dans le cadre du plan humanitaire de retour volontaire, le gouvernement chilien mettait campé depuis le 17 octobre 2018. Donc, il y a plusieurs migrants haïtiens qui étaient inscrits dans le plan Sahara. Sorti 17 octobre pour arriver 7 novembre, il y a 1084 ressortissants haïtiens qui étaient inscrits dans le plan Sahara. Mais pas oublier, c'est un plan humanitaire de retour volontaire, entre guillemets. C'est une stratégie du gouvernement chilien à utiliser pour lui faire les grâces à retour à la CAIO. Parce que le nous considérer investiture nouveau président chilien Sébastien Piñera, qui, après les filles pour investiture, il était annoncé que il allait mettre l'ordre dans la migration en général, dans le pays Chili. Maintenant, nous-mêmes, c'est un plan de retour volontaire, entre guillemets. Parce que c'est une stratégie pour permettre à Issa de retourner à la CAIO. Donc, c'est l'ordre-là qui commençait à mettre, j'en ai annoncé. Mais nous-mêmes, ce n'est pas un fait nouveau pour nous, parce que là, nous considérons. En moyenne, 3 à 4 000 migrants qui sont sortis en République dominicaine chaque mois, qui sont arrivés sous frontière là, donc dans 4 points frontaliers officiels pays d'Haïti et avec l'autre point non officiel, c'est en moyenne 3 à 4 000 migrants qui sont arrivés sous nous chaque mois. Donc ce n'est pas un fait nouveau, mais sauf que ils sont éléments nouveaux, ils sont faits nouveaux pour le pays Chili, bon, pour les migrants qui sont sortis Chili. Donc c'est ça qui fait extrêmement important pour l'État haïtien, ONM surtout, t'a mobilisé ou bien pour le gouvernement renforcer ONM. Parce que ce n'est que le début.
Donc, c'est tout. On va gagner des voyages en cascade, parce que le gouvernement chilien déjà annoncé que c'est un voyage pilote. Ça veut dire, dans les jours à venir, dans les prochains mois, on va gagner d'autres ressortissants haïtiens qui apprendraient. Nous prenons les cognats sur des dans le Parlement haïtien. Gagné sénateur nord-ouest, là, Ronald Larèche, qui exprimait préoccupation liée sous situation insécurité pays a fait face. Dans ce sens, parlementaire a lancé un SOS à l'autorité la police pour être capable de prendre responsabilité d'après ça que l'il dit. Un extrait dans la déclaration de Nico Fedler, confident avec Michel Joseph. 1994-2004, tout ça encore, yo engendré, yo favorisé prolifération à ma faire dans le quartier populaire et des politiciens utilisent mon zao. Toi, des fins politiques, à chaque fois où on est dans des périodes électorales, où est des monde, des candidats, tout aller dans le quartier populaire et puis c'est mon zao utilisé là à faire rassemblement. Si à fond rassemblement sur le champ de marché, utilisé, si à faire manifestation, tout mobilisé, chef de gang zao utilisé à toutes fins utiles, c'est-à-dire qu'on a toujours capable. Situation ça. C'est une préoccupation majeure actuellement, là, c'est question d'insécurité. Côté gain des chefs de gang, ils ont certains annels qui lui-même cap défier la police, cap défier l'autorité de l'État. Je pense que faut la police en lui-même. 60 millions de groupes qui sont à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la police, CSPN, qui gagne comme ça dans la main, et Ils n'ont pas investi dans l'enseignement dans le pays. Il faut qu'il y ait des efforts qui fait pour que eux-mêmes mettent un climat de sécurité dans le pays pour que l'institution eux-mêmes fonctionne normalement. Nous avons dit que nous avons grand titre, une journée étude sur la sociologie miracle organisée dans le local, la faculté de médecine et de pharmacie qui chita dans le centre-ville de Port-au-Prince pour capable plus moun élément pour capable comprendre qui ça miracle là exactement. Plusieurs intervenants ont pris la parole dans l'occasion. Stéphanie Chala et Henri Robert chérité sur place y a présenté nos gens à payer. Questionner et puis penser sur quelques domaines en dedans université a ba élément pour plus bien comprendre quelques thématiques. C'est dans ce sens ça responsable UEHO lancer journée étude ça en baptême sociologie miracle. Vice-recteur UEH là et Wal Toussaint, quoi li important pour l'université à te questionner mon miracle là, li dit qu'il utilise presque chaque jour. Dans l'université, nous faisons des choses beaucoup plus rationnel. De tout discours qu'on a dit dans la radio, il y a pas raconté, mais nous te dit bon, comme université, on nous vient avec des spécialistes. Bon, pas seulement français, mais t'es bien l'autre spécialiste tout, et t'es bien professeur O'Donnell, puis à lui, t'es bien moi-même qui t'es cap réagi par rapport à ça, un spécialiste, Philippe Martin t'es dit, c'est là, l'université, l'abgardé pour la société, l'abgardé ça cap passé, après ça, il lance son parole, il fait des propositions, il questionne, il fait mon penser, je dis à nous, je vais faire mon penser sous miracle. Professeur histoire dans l'université Lyon de Lumière là, Philippe Martin, bail trois clés importantes pour connaître et puis comprendre ce qui a passé dans la société. D'après lui-même, miracle c'est une notion qui touche tout segment de la vie dans la société. À l'heure actuelle, le miracle doit nous permettre de penser trois choses. La première chose, c'est pourquoi il y a des miracles. Et là, il faut bien considérer que c'est pas propre à Haïti, c'est pas propre à la situation actuelle. Il y a des miracles partout. L'homme, quel qu'il soit, en notre 21e siècle, où qu'il habite, de quelque religion qu'il soit, a besoin, a envie de croire qu'il y a des choses qui vont s'arranger, que Dieu interviendra, que la Providence est avec lui. La deuxième chose, c'est que quand on parle de miracles, bien évidemment, il ne s'agit pas de justifier facilement, de dire c'est vrai, c'est faux, etc. Mais il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi, à un moment, on parle de miracles, pourquoi la société a envie d'entendre qu'on parle de miracle et de se poser enfin, et c'est le dernier point, la question c'est quelle est l'utilité du miracle. Parce qu'il y a toujours une utilité pour les individus, pour le système politique, pour des acteurs religieux, voire des acteurs économiques. Miracle c'est pas seulement une manifestation si naturelle, c'est tout un preuve l'amour bon Dieu pour peuple. Il est si visible de l'alliance d'après professeur histoire dans l'université Lyon de Lumière là, Philippe Martin. Et c'est là, nous fermons le chapitre local, là, nous prêts à aller à l'étranger. Nous t'ai annoncé le tout. Dans Grand City, dans le pays États-Unis, nous avons fait un PTA hier soir dans un discours dans le sud de l'État Californie.
Dernier bilan, il y a gagné environ pour petit 13 personnes qui perdent la vie et puis gagné plusieurs autres qui sont blessés. Et on nous a dit nos plus. Une fusillade a éclaté mercredi soir dans un bar discothèque du sud de la Californie, dans l'ouest des États-Unis. Il était 23 heures passées quand la police a reçu un appel signalant une fusillade qui aurait fait plusieurs victimes. Les faits se sont déroulés au Borderline Bar and Grill dans la localité de Thousand Oaks. Sur place, un policier a été retrouvé inanimé et des traces de sang jonchaient la chaussée. Policiers et ambulances sont arrivés sur le lieu pour prendre en charge les blessés. Des opérations de sécurisation du site sont en cours. N'a toujours été dans le pays États-Unis, puisque il y a un journaliste, télévision CNN, qui joue une interdiction li pour ne pas mettre pied là, en dans Maison Blanche, après un échange, l'été gagné avec le président américain Donald Trump. Maison Blanche a décidé de retirer 4 accréditations journalistes, une décision responsable à CNN, a critiqué. Euronews a dit non plus. Un journaliste de la chaîne CNN s'est vu retirer son accréditation à la Maison Blanche suite à un vif échange avec le président Donald Trump. Jim Acosta est accusé d'avoir posé sa main sur une stagiaire de la Maison Blanche qui tente ici de lui retirer le microphone. Donald Trump, qui refusait de répondre à sa seconde question sur l'enquête russe, a accusé le journaliste d'être une personne horrible et impolie. CNN devrait avoir honte de vous employer, a-t-il poursuivi. Mais la chaîne d'information a fait savoir qu'elle soutenait son reporter. Dans un communiqué, elle s'inquiète d'une décision sans précédent qui menace la démocratie. Le président a attaqué plusieurs journalistes au cours de ce qui n'était que le troisième face-à-face qu'il leur accordait à la Maison-Blanche depuis son élection. Il accuse régulièrement les organisations de presse, les médias fake news et des ennemis du peuple. Nous pouvons quitter le sol américain, puisque le ministre de la Justice américain, Jed Station, qui remet à démission dans le poste en bas menace le président américain Donald Trump. Ailleurs, mercredi, ancien ministre de la Justice est obligé de dire qu'il y a un gros applaudissement. C'est Matthew Whitaker qui remplace le poste CELA. Euronews pour un reportage. Une sortie forcée, mais sous les applaudissements. Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a fait ses adieux à ses collègues ce mercredi. Il venait de présenter sa lettre de démission à la demande de Donald Trump, qui ne l'a jamais pardonné de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe. Dans un tweet, le président américain nommait Matthew Whitaker, le chef de cabinet de Sessions, à la tête du département de la justice par intérim. Et les journalistes demandaient à la conseillère de Donald Trump si ses relations avec le ministère allaient évoluer. Pourquoi pensez-vous qu'il a de mauvaises relations avec le ministère de la Justice? Votre question sous-entend. Qu'entendez-vous par évoluer? Il a parlé de ses frustrations vis-à-vis de Sessions, qu'il était en colère de la façon dont il gérait le département. Ses relations avec le département n'ont jamais été mauvaises. Je viens de vous lister tout ce que le département de la justice a accompli pendant sa présidence. Procureur puis sénateur de l'Alabama, ultra-conservateur et soutien sans faille de Donald Trump, Jeff Sessions incarnait la défense de l'ordre moral et des travailleurs américains contre l'immigration. Détesté à gauche, Jeff Sessions était accusé par le président de ne pas avoir pris le contrôle d'un ministère infiltré par les démocrates, mais surtout d'avoir échoué à le protéger de la chasse aux sorcières dont il se dit victime depuis les ingérences russes dans sa campagne. Et c'est là le journal arrive dans Boutli. Avant de nous quitter le plateau, on va permettre que nous rappelions le grand point qui domine l'actualité. 184 Haïtiens qui vivent en Chili rentrés dans le pays mercredi 7 novembre dans le cadre du programme plan humanitaire volontaire gouvernement chilien a mis sous pied depuis 17 octobre passé. Groupe qui a appuyé rapatrié à réfugiés au gars attiré attention autorité l'État pour capable renforcer l'Office national migration pour permettre à compatriotes joindre puis moins traitement. Yon accord signé mardi 6 novembre entre ministère agriculture ressources naturelles et développement rural et représentant plusieurs organisations dans le secteur agricole. Dans le cadre de l'accord, l'État haïtien pourra financer
20 projets agricoles dans le département SIDA, pays d'Haïti. Une journée étude sur sociologie miracle organisée hier mercredi dans le local de la faculté de médecine et pharmacie Kishita dans le centre-ville Port-au-Prince. Plusieurs professionnels te prennent la parole dans l'occasion pour permettre aux participants de comprendre plus bien qui ça miracle est. Et puis, dans le pays des États-Unis, pour les petits, 13 personnes ont mouru, plusieurs autres sont blessés dans une fusillade qui arrivait à hier soir dans un club disco dans le sud de l'État de Californie, dans le pays des États-Unis. C'est grand point ça que nous avons développé pour le journal là jeudi. Nous sommes vraiment contents ensemble avec vous pour être capables d'informer vous. Il était seulement pour nous capables de souhaiter vous passer un très bon jeudi sur TNH. Rendez-vous avec moi-même pour une autre édition nouvelle. C'est deux mêmes matin, mais journal information à continuer sur TNH à midi et puis 7h du soir. Bye bye tout le monde.